Que faire en cas de crise financière, économique, monétaire? Comment protéger ton argent? Comment gérer et arbitrer ton patrimoine pour passer la crise le mieux possible? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Salut à toi, très cher entrepreneur de l'immobilier. Je m'appelle Manuel Ravier. Je suis investisseur avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. Et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement, comment ça se passe? Des gens viennent nous voir avec déjà un budget, potentiellement une ville ou alors un objectif d'investissement. Par exemple, je veux investir 200 000 euros à Lille. Et à partir de là, on va leur dire ce qu'on est en mesure de faire. Concrètement, notre prestation, c'est quoi? On va gérer la totalité du projet avec à chaque fois un seul leitmotiv, c'est de faire un investissement rentable qui va être meilleur que ce qui est faisable sur le marché par soi-même. Cet investissement-là, on le gère de A à Z. Concrètement, on a des chasseurs immobiliers professionnels qui sont tous les jours sur le terrain pour cueillir les meilleures affaires pour nos clients. À la suite de ça, on a des architectes et architectes d'intérieur, donc au sein de l'équipe Investissement Locatif, qui vont prendre le relais pour dessiner les plans, rédiger des cahiers des charges de travaux pour optimiser au maximum le bien. À la suite de ça, ils vont suivre le chantier étape par étape. Donc, on suit le chantier de A à Z avec des rapports de chantier réguliers, ce qui fait que le client n'a même pas besoin de se rendre sur le chantier. S'il le souhaite, il est bien sûr le bienvenu tout au long du chantier. À la suite de ça, on va meubler et décorer l'appartement pour créer des biens qui sont coup de cœur. Et à la suite de ça, si le client le souhaite, on peut le louer et le gérer. L'objectif étant, tu l'as compris, d'acheter le moins cher possible parce qu'on trouve les meilleures affaires du marché et de louer sur la tranche haute du marché. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui est optimisé, rénové et qui a un ameublement, une décoration coup de cœur. Si le service t'intéresse, si tu souhaites échanger au sujet de ton projet d'investissement immobilier, tu trouveras le lien juste en dessous dans la vidéo, dans la description. Sache également qu'on est présent dans une quinzaine de grandes villes en France et notamment dans la plupart des grandes villes françaises avec une équipe d'une centaine de collaborateurs. On a également pignon sur rue avec des bureaux physiques, ce qui te permet d'avoir quelque chose de vraiment rassurant pour une entreprise qui existe depuis une dizaine d'années. Investissement Locatif en 2019, c'est environ 500 projets réalisés pour le compte de nos clients. Donc voilà, c'est considérable, on est très fiers de ça. Donc n'hésite pas encore une fois à solliciter mon équipe. Dans la vidéo du jour, on va revenir sur que faire en cas de crise financière, de crise économique, puisque malheureusement, on a eu une crise sanitaire qui est en train d'entraîner une baisse du PIB dans un grand nombre de pays, ce qu'on appelle une récession. La France est déjà rentrée en récession. Ce n'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour le monde puisqu'on était dans une dynamique de croissance qui était plutôt favorable avec plutôt des indicateurs économiques qui étaient bien orientés. Je ne rentre pas dans les détails de la macro et de la microéconomie puisque selon les marchés, tout n'était pas rose non plus. Mais on va dire que depuis la dernière crise, il y a une dizaine d'années, quand même l'économie s'était globalement redressée même si certains pays restaient très endettés. On le voit, cette crise sanitaire, elle rebat les cartes. On voit que le monde entier est touché, on voit que c'est pas drôle et probablement en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'épargnant, si tu as du cash disponible, si tu as du patrimoine, il est fort probable que tu te poses à minima des questions ou peut-être même pire que tu t'inquiètes de la situation économique. Sur le front de l'emploi, les nouvelles sont pas non plus très positives, on va se dire la vérité, avec des entreprises qui vont devoir licencier, des faillites, c'est assez compliqué. Et on espère bien sûr en tant qu'investisseur immobilier, on est des optimistes par définition et donc on espère que tout ça va reprendre et que l'économie va repartir de plus belle le plus vite possible. Et en tout cas, nous, on reste orienté favorablement pour les années à venir. On espère que les choses vont se passer le mieux possible. Dans cette vidéo, donc, je t'ai dit qu'on allait voir ensemble ce que tu peux faire si tu veux sécuriser tes avoirs, si tu veux préparer le terrain pour cette crise financière et économique à venir. La première chose que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que je ne sais pas si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, il faut ouvrir un PEA, plan d'épargne action. Concrètement, un PEA, c'est quoi et pourquoi je te dis d'ouvrir un PEA? Alors, il n'y a pas de lien d'affiliation, je ne fais pas d'affiliation avec des banques en ligne, je n'ai pas d'intérêt financier à dire ça. Je te donne juste un conseil qui m'a été donné il y a quelques années et malheureusement, je vois que beaucoup de gens ont déjà entendu parler du PEA, mais beaucoup de gens n'en ont pas. Ne pas avoir de PEA, à mon sens, c'est une erreur. Même si tu l'ouvres aujourd'hui pour ne pas l'utiliser, tu as intérêt à ouvrir un PEA. Pourquoi? Parce que le PEA, à partir du moment où tu l'ouvres, c'est la durée de détention qui va te permettre pour détenir donc des actions. Un PEA, c'est quoi? C'est un compte pour détenir des titres, donc des actions. Et avec ce PEA, tu vas bénéficier d'exonération au bout d'un certain nombre d'années de détention sur tes actions. Alors concrètement, le PEA, c'est composé d'un compte titre et d'un compte de dépôt, donc du cash. Pourquoi? Parce que ton cash, tu vas l'investir sur les titres. C'est donc comme ça qu'est constitué ton PEA. La logique, c'est quoi? C'est qu'au-delà de 5 ans de détention par rapport à un compte titre, tu vas être exonéré de la partie fiscale. Donc tu vas continuer à payer tes prélèvements sociaux. Tu sais peut-être sur donc désormais des comptes titres
On a la fameuse flat tax, donc un prélèvement de 30% qui inclut impôt sur le revenu et les fameux prélèvements sociaux de 17,2. Bah là, tout simplement, tu vas faire sauter la partie fiscale, donc tu économises 13% d'impôt sur les 30%. L'autre avantage principal du PEA, c'est que c'est un compte de capitalisation. Dans un compte titre, chaque fois que tu touches des dividendes, chaque fois que tu revends, que tu fais des plus-values, tu vas être imposé. Dans un PEA, ce n'est pas le cas. Tu es imposé soit au décès donc du titulaire du PEA, soit lorsque tu retires ton argent. Ce qui veut dire que tes actions détenues font des petits, c'est-à-dire avec les dividendes, ça augmente dans ton PEA. Tant que tu ne retires pas, tu ne payes pas d'impôt dessus et tu peux réinvestir ça sur des actions au sein de ton PEA. Tu n'es donc imposé que lors des retraits. Donc, c'est hyper intéressant. Ça te permet d'accélérer. Je le compare souvent à une SCI à l'IS où tu es protégé et tant que tu retires pas l'argent à titre perso, dans une SCI à l'IS, tu vas payer bien sûr ton IS. Mais si tu ne retires pas l'argent, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu dessus. C'est un petit peu la même mécanique. Je t'encourage à ouvrir un PEA le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de durée d'ouverture du PEA et l'exonération est au bout de 5 ans. Ce qui veut dire que si tu l'ouvres aujourd'hui, eh bien, les exonérations démarreront dans 5 ans. Même si tu investis très peu aujourd'hui, tant que ton PEA est ouvert, eh bien, le délai commence à courir. Donc, plus tôt on l'ouvre, le mieux c'est. Ce que je ne te conseille pas nécessairement, c'est d'ouvrir ce PEA dans une banque classique. Pourquoi ? Parce que tu vas payer beaucoup de frais. Alors moi, je n'ai pas de lien encore une fois d'affiliation, je pourrais, mais je vais quand même te recommander Bourse Directe parce que je trouve que c'est une banque qui est intéressante sur les tarifs. Voilà, donc pas d'affiliation, de la pub gratuite pour Bourse Directe. Je suis client chez eux depuis 10 ans et je trouve qu'en termes d'ordre de bourse, c'est assez attractif. Après, il y en a plein d'autres, Boursorama Banque, etc. À vous de regarder, à toi de comparer en matière de coûts. Nécessairement, le plus intéressant n'est pas de se dire est-ce que j'ai 30 centimes de plus sur mon ordre de bourse. C'est que ce soit facile à utiliser, que la banque soit bien sûr solide et que bien sûr derrière, tu ne te fasses pas assassiner en frais bancaires. Donc, pense à ouvrir un PEA le plus vite possible pour que le délai de 5 ans commence à courir. Et crois-moi, tu seras très content de l'avoir fait quand tu voudras investir en bourse si tu veux accélérer à un moment de ta carrière d'investisseur. Alors, dans cette période de crise, le principal risque est potentiellement une sortie de la France, de l'Europe ou ce genre de choses avec le retour à une autre monnaie avec bien entendu au passage une dévaluation. On n'est pas du tout dans ce scénario aujourd'hui, je ne veux pas agiter des chiffons rouges mais il faut quand même garder en tête que ça pourra arriver surtout s'il y a des désaccords entre les grands pays européens et notamment les politiques de rigueur de l'Allemagne ou encore des Pays-Bas opposés aux pays du Sud qui sont beaucoup plus on va dire dépensiers et qui ont un niveau de dette beaucoup plus élevé. Comment se prémunir de ça? Si par exemple tu détiens du cash à la banque, donc ça veut dire que concrètement ton cash en cas de Frexit, comme on l'appellerait dans ce cas-là, en cas de retour à une monnaie nationale, eh bien ton cash pourrait être dévalué. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer si on n'était plus en euros mais qu'on revenait par exemple au franc. Encore une fois, on n'en est pas du tout là. Je parle d'un scénario hypothétique, potentiellement catastrophe, qui n'est peut-être pas le scénario privilégié, mais qu'il faut garder en tête. Moi, je dis toujours, la probabilité a beau être infime, l'impact sur ton patrimoine pourrait être considérable, donc il faut peut-être mieux éviter. Alors, comment se prémunir d'une éventuelle dévaluation monétaire si on revenait au franc? Alors, il y a plein de moyens possibles, notamment investir dans des actifs, dans l'immobilier, dans des titres en bourse, encore une fois, comme on vient de le voir, sur ton compte PEA par exemple, investir dans l'or ou dans les métaux précieux. Et également, ce qui est possible de faire, c'est d'arbitrer en devises, donc de détenir d'autres devises pour éclater ton risque monétaire. Si par exemple, demain, on revenait au franc et qu'il y avait une dévaluation, bah, si tu détiens d'autres monnaies d'autres pays du monde, peut-être plus stable à ce moment-là, eh bien tu éclates ton risque avec un panier de devises. Comment on fait pour détenir du cash et donc des liquidités en différentes devises? Bah là, il faut avoir un compte multi-devises. Donc, te renseigner avec ton conseiller bancaire. Souvent, les banques classiques ne le font pas. Il faut monter sur des banques privées ou alors ouvrir des comptes dans des banques qui peuvent être des banques étrangères. Donc, ça reste tout à fait légal parce que le compte doit être déclaré au fisc français, bien entendu. Mais je pense par exemple à la Suisse ou si tu souhaites eh bien, sécuriser ton argent, tu peux par exemple ouvrir un compte en Suisse. Encore une fois, un compte bien sûr déclaré parce que souvent quand on dit compte en Suisse, tout de suite, l'imaginaire travail de nos grands-parents qui allaient cacher de l'argent en Suisse, pour certains en tout cas. Et donc là, la logique, c'est que c'est un compte que tu vas avoir en Suisse qui va être tout à fait déclaré puisque je rappelle qu'aujourd'hui, quand tu vas ouvrir ce compte, tu vas devoir déclarer que tu es résident fiscal français et donc le déclarer au fisc en fin d'année. Mais ce compte-là va te permettre peut-être d'avoir plus de sécurité dans une banque française et également plus facilement du multi-devise puisque avoir un compte en Suisse va te permettre potentiellement, selon la banque, d'avoir plus facilement de la multi-devise et également peut-être une banque qui est moins sujette aux variations de marché parce que les banques suisses peuvent être plus solides et qu'on est hors de la zone euro. Un autre point quand on est en période de crise, c'est d'avoir toujours un peu de cash potentiellement chez toi ou dans un coffre que tu vas avoir à la banque. Alors à ce sujet-là, attention, il y a une nouvelle mesure qui fait que les particuliers qui détiennent des coffres en banque n'étaient pas tenus de les déclarer avant. Ils vont être tenus de déclarer à partir, je crois, de septembre de cette année.
Donc voilà, c'est un point qui est important à connaître. De toute façon, tu n'as rien à cacher si tu retires du cash. Tu as tout à fait le droit d'en garder un petit peu sécurisé sur un compte. Ça peut être utile en période de crise. Ça peut également être utile, comme je l'ai dit au départ, de détenir des métaux précieux. Et ça peut également être utile et très utile même d'avoir une épargne de sécurité. Ça veut dire se dire bah, j'ai 3, 4, 5, 6 mois pour voir venir devant moi en cas d'impayé, par exemple d'un locataire, on en parle dans d'autres vidéos, ou en cas de problème sur mon travail, en cas de pépin financier, je sais que j'ai cette épargne que je peux mobiliser, que je n'utilise pas pour autre chose et que je peux mobiliser en cas de problème. Enfin, en période de crise, mais aussi dans d'autres périodes, le plus important, eh bien, c'est toujours de se dire comment je peux optimiser ma fiscalité. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a deux choses. Il y a gagner plus d'argent et il y a en dépenser moins. Et dans en dépenser moins, eh bien, si tu optimises ta fiscalité par rapport à quelqu'un qui n'optimise pas, c'est un petit peu comme si, je te prends l'image du panier percé. Tu remplis un seau et il y a des trous dedans. Ben, ça coule. Donc, se concentrer sur le fait d'avoir des rentrées d'argent, de générer du cash, par exemple, avec tes investissements immobiliers, avec tes investissements en bourse, c'est très bien. Mais si tu n'as pas optimisé en amont ta fiscalité, comme on en parle et comme je t'en parle sur la chaîne en SCI, en LMNP, en LMP, etc., avec des dispositifs intelligents pour réduire ta fiscalité, si tu n'as pas des actions qui sont détenues avec des régimes intéressants, eh bien, tu remplis ce fameux seau qui est percé. Et donc, tu as des gains, mais ces gains-là, eh bien, ils ruissellent, comme dirait notre cher président, mais pas dans le bon sens pour toi. Ils ruissellent puisqu'ils vont disparaître en partie, disparaître, s'envoler avec l'impôt. Donc, c'est dommage. Et donc, plus que jamais en période de crise, je t'invite à te poser la question sur tes montages fiscaux. Toujours, bien sûr, tu le sais, en restant dans la plus stricte légalité, puisque c'est ce qu'on recommande sur la chaîne Investissement Locatif, mais en essayant d'optimiser en toute légalité de manière à dépenser intelligemment eh bien, l'argent que tu gagnes avec tes impôts. Si tu as des questions par rapport à ces différents sujets de la sécurisation en période de crise, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si toi aussi, tu as éventuellement d'autres choses que tu as faites pour te protéger de la crise économique à venir de la crise financière, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça pourra servir à tout le monde. Si la vidéo t'a plu, pense à me mettre un like, à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Si tu souhaites eh bien, lancer un projet d'investissement immobilier, tu as le lien dans la description pour lancer un projet. Encore une fois, ce premier rendez-vous est gratuit pour faire le point sur ton projet avec mon équipe. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao !